diste salvación. Te doy gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Se lo debo a mi Señor.
Chapitre 7. Après cela, Jésus continue à aller dans toute la Galilée. En effet, il ne veut pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchent à le faire mourir. C'est bientôt la fête juive des Huttes. Les frères de Jésus lui disent: quitte la région et va en Judée. Ainsi, tes disciples aussi pourront voir les actions que tu fais. Quand on veut être connu, on ne cache pas ce qu'on fait. Tu fais de grandes choses. Alors, montre-toi au monde. En effet, même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Mais Jésus leur répond: pour moi,
Ce n'est pas encore le bon moment. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que j'affirme que ses actions sont mauvaises. Vous, allez à la fête. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que pour moi, le bon moment n'est pas encore arrivé. Jésus leur dit cela et il reste en Galilée. Mais quand ses frères sont partis à la fête, Jésus y va lui aussi sans se montrer en secret. Pendant la fête, des chefs juifs cherchent Jésus. Ils demandent : Où est-il ? Dans la foule, on discute beaucoup de lui. Les uns disent : C'est quelqu'un de bien. D'autres disent : Non, il trompe les gens. Mais personne n'ose parler de lui à haute voix parce qu'ils ont peur de leur chef. C'est déjà le milieu de la fête. Jésus va au temple et il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent : Cet homme n'a pas étudié et pourtant il est savant. Comment est-ce possible ? Jésus leur répond : Mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi.